Good morning, allez, Eden, les histoires aujourd'hui, le Lunishmat, Abraham Mordechai, Ben Yitzchak, Bethany, et Dvorah, Batester, si vous le savez aussi, j'ai un tuyau de Mishnah. Vous avez peut-être 5 minutes éternelles, nous, c'est une masse à Yavamot, Giyoud, Mishnah, Chet, Tesha Shanim, Beyom Echad, Shebal, Yavim Tov, Achakach, Baal, Tzavata, Pasal, Al Yedei, Atzmo, Rabbi Shimon, Omer, Lo Pasal. Ben Tesha Shanim, Beyom Echad, Shebal, Yavim Tov, Amet, Cholet, Set, Velo, Mityavim. Nasa Isha Met Arizo Tura. Continue à parler du statut de l'enfant de 9 ans et un jour, qui, de manière générale, on peut parler de toutes les situations, c'est dans le Mishnah, du rapport de Yishut, qui va voir un enfant de 9 ans et un jour avec sa Yevama ou avec toute autre femme, soit, on explique un petit peu mieux. J'ai déjà expliqué dans l'émission précédente qu'il y a trois périodes chez l'homme. Depuis qu'il naît jusqu'à l'âge de 9 ans et un jour, même s'il a un rapport avec une femme, on considère qu'il n'a pas eu de rapport, il n'a pas eu de... Son membre n'est pas un membre actif, si je puis dire. Comme si... D'accord? C'est pas considéré comme une bia. L'agma, elle appelle ça Kenoten et Tzibabain, entre parenthèses. Chez la femme, on a la même situation, mais avec des limites différentes. Jusqu'à l'âge de 3 ans, on avait déjà évoqué le sujet. Jusqu'à l'âge de 3 ans, celui qui va avoir un rapport avec une fille de moins de 3 ans, eh ben, ça ne s'appelle pas qu'il a eu un. La fille n'a pas eu de rapport. C'est comme si qu'elle avait mis un doigt dans l'œil. D'accord? Ça n'a pas de statut, c'est pas encore un membre actif. Et il y a plein de conséquences sur ça. Si c'était quelqu'un de pas saoul, qui a eu un rapport avec une fille de moins de 3 ans, il n'a pas rendu invalide, je sois. Je reviens maintenant sur le sujet, maintenant, sur l'enfant de 9 ans et un jour. Ah. On a dit l'enfant depuis le moment qu'il naît jusqu'à 9 ans et un jour, c'est pas considéré comme maman, c'est considéré comme si il a mis un doigt ou qu'il a mis autre chose, mais ça ne s'appelle pas qu'il a eu un rapport. À partir de 9 ans jusqu'à l'âge de 13 ans, on considère que son rapport est un rapport. Mais il n'a pas la capacité d'acquérir une femme. Pourquoi? Parce que pour se marier avec une femme, il faut du date. Le date est là qui va à partir de 13 ans. Pour tout le faire actionner les kinanimes, c'est qu'à partir de 13 ans. Ensuite, donc, quand il a 13 ans et un jour, là, il peut se marier concrètement avec une femme. Maintenant, cette situation intermédiaire de 9 ans jusqu'à 13 ans, fait que maintenant, puisqu'il peut avoir un rapport et qu'il n'a pas de date pour acquérir, eh ben, ça fait qu'un enfant il va se retrouver avec. Là, il ne peut pas marier une femme a priori, parce qu'il n'a pas de date. Mais ça, Yevama, vous rappelez qu'on avait déjà appris que Yevama, on peut l'acquérir, même si on n'a pas d'intention d'acquérir, même si on pense même pas à elle. Imaginez, on avait déjà sauté dans le père Kaba et les limitos. On avait évoqué que même si on, il s'est trompé, il pensait qu'il partait avec sa femme, il est parti avec sa belle-sœur, là qui sa belle-sœur, c'est devenu ça, c'est Yevama. Et là, il avait une belle-sœur qui était Yevama, et il s'est trompé, lui d'aller avec sa femme, il s'est trompé, il est parti avec sa belle-sœur, il n'avait aucune intention de l'acquérir, le simple fait qu'il ait un rapport avec elle, fait qu'il la marie. Selon ce principe, un enfant de 9 ans, un jour, puisque sa bia, un institut de bia, son rapport c'est un rapport, de ce fait il peut acquérir la yevama. En fait, il peut acquérir la yevama, mais comme son acquisition, mais Michel précédente, c'est pas une vraie acquisition pleine. Ça vient comme si qu'elle avait des kidushay ma'ama, elle est à moitié acquise, mais pas complètement. Il est en statut de nouveau un peu intermédiaire. Le principe maintenant de la Mishnah précédente et de notre Mishnah est de savoir, bon, alors tu dis qu'en fait il acquiert à moitié. Donc, deux situations. Qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un d'autre qui va l'acquérir? Qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un d'autre qui est comme lui qui va l'acquérir? C'est la Mishnah précédente, on revient dessus. Maintenant on va découvrir autre chose. Il avait deux Yevama du même frère. Son frère Réhouven était marié à deux femmes, Rachel et Léa. Réhouven meurt sans enfant. Le petit Shimon qui a pour le moment pas encore 13 ans, il a juste 11 ans, il veut se marier avec Rachel, faire le hiboum avec Rachel. Bon, il fait le hiboum avec Rachel. Finalement, il décide finalement de faire aussi le hiboum à Léa. Or, un autre frère n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Parce que avec la première, il a déjà acquise. S'il a déjà acquise, alors la deuxième, ça y est, elle est permise à tout le monde. Et s'il va avoir un rapport avec elle, donc il n'est plus dans le cadre de la mitzvah du tout du hiboum, il n'acquiert pas. D'accord?
Ben, selon son principe, maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est un enfant de... Si c'est un enfant de 11 ans, par exemple, il va avoir un rapport avec Rachel. Après, il va décider de prendre les deux. Est-ce qu'il va... Est-ce qu'on va dire que dans ce cas-là, ah, t'as acquis les deux, mais de manière impossible, nous ce va devoir donner un guette à la première ou pas. C'est... On va avoir de nouveau la même arrière. Un enfant de 9 ans et un jour qui va avoir un rapport avec ça. Yevama. Et après, il est parti avec la co-épouse Léa, la deuxième femme de Shimon, de Reuven. Et bien, la Bible enseigne, Pasal al-Yedei Atzmo. Il a réussi à invalider sa propre femme. Au début, il était en voie de se marier avec Rachel. Il avait déjà commencé maintenant à l'acquérir à moitié. Et maintenant, comme il a essayé de prendre la Tzara, puisqu'il n'avait pas fini d'acquérir Rachel, donc il a laissé encore une marge. Quelque chose qui n'est pas encore acquis. Lorsqu'il va aller avec Léa, il va de nouveau réussir à acquérir aussi Léa. Et du coup, il a acquis deux femmes qui ne pouvaient pas acquérir les deux en même temps. Une l'interdit, l'autre l'interdit. Ouais. Vous avez compris le principe? Si c'était un frère adulte qui avait eu un premier rapport avec Rachel, alors Rachel, ça devient sa vraie femme. Après, il va avoir un rapport avec Léa. Léa, c'est un rapport de Znout. Il n'y a aucune validité à souligner. Léa, ça, c'est pas sa femme. Rachel, ça reste sa femme. Et il continue sa vie. Mais là, puisqu'il n'avait pas fini d'acquérir Rachel, parce que Léa, elle est encore à moitié Zkouk Aleibou, puisque l'enfant n'acquiert pas la femme, n'acquiert pas les femmes accompagnées. De ce fait, parce qu'il va avoir le rapport avec Léa, il va s'avérer qu'il va acquérir aussi de nouveau un petit peu Léa. Et du coup, il a réussi à acquérir les deux, ça rentre en même temps. Ça, c'est la vie de Tanakama. Tandis que Rabbi Shimon Omer, l'opassal. Rabbi Shimon enseigne qui n'a pas interdit la première. Rabbi Shimon, c'est le même principe qui revient. Que Rabbi Shimon lui dit, c'est quoi ton problème? C'est que l'enfant, lorsqu'il a un rapport, il acquiert à moitié. Donc il a acquis à moitié Rachel, donc à moitié pas acquise. Donc Léa est encore à moitié Skokale et boum. Alors quoi? À cause de ça, tu me dis que puisqu'il va avoir un, lorsqu'il va avoir un rapport avec Léa, il va l'acquérir à moitié. Rabbi Shimon vient et me dit, mais de deux choses l'une. Soit le rapport d'un enfant de moins de 13 ans, c'est un bon rapport. Donc Rachel, c'est sa femme, et Léa, c'est plus sa femme. Ou soit tu peux me dire que non, elle est que sa fake, donc c'est possible que oui, peut-être que non. Tu veux dire que quoi, que c'est pas un bon rapport. Si c'est pas un bon rapport pour Rachel, c'est pas aussi un bon rapport pour Léa. De ce fait, selon Rabbi Shimon, il n'a pas invalidé la femme. D'accord? Quelque chose qui n'est pas précisé dans le Mishnah, mais je le rajoute pour mieux comprendre le principe de Rabbi Shimon. Si toutefois... le Shimon va avoir un rapport avec Rachel. Et après, il patiente 2 ans. Ouais, parce qu'il avait 11 ans. Et maintenant, il a 13 ans. Il va avoir un rapport avec Léa. Alors, Shimon, il va me dire, ah, là, cette fois-ci, tu l'as bloqué. Parce que peut-être que Rachel, c'est la bonne femme. Et Léa, c'est n'importe quoi. Peut-être que Léa, c'est la bonne femme. Et donc, parce que peut-être que le rapport d'un enfant, il n'avait pas de valeur. Et dans ce cas-là, le rapport qu'il a eu avec Léa, c'est devenu la vraie femme acquise, puisque là, il a atteint 13 ans. Et là, dans ce cas-là, on sera dans une situation où toute la deuxième devient interdite. Mais tant qu'il reste enfant, qu'il a que 11 ans, par exemple, et là, il va avec une, puis après, il va avec l'autre, il va me dire de deux choses l'une. Soit c'est la première qui est mariée, soit c'est personne qui est mariée. Donc la deuxième ne peut pas interdire la première. Ok? Ben Tejajani Beyomirat Shebali Vimito va mettre Rolet Sed Volomitia. Nouveau sujet maintenant. Il avait une seule Yevama. Shimon, il y avait Shimon et Lévi. Deux frères, c'est Reuven, Shimon et Lévi. Reuven, il est mort. Il avait une femme. Il est mort son enfant. Et elle va tomber en hiboum devant Shimon et Lévi. Maintenant, pour ne pas changer, on reste avec Shimon qui n'a toujours pas 13 ans et Lévi qui a plus que 13 ans. Ce qui se passe, c'est que maintenant, Shimon, il va avoir un rapport. Imaginez maintenant que Shimon, il va prendre sa belle-sœur. Il va se marier avec elle. Or, on a dit qu'il a marié qu'à moitié, pas complètement. Si après le petit Shimon, le pauvre, il meurt lui aussi. Maintenant, Lévi se retrouve avec une femme pour lui, qui ne pourra plus lui faire le hibou, ne va faire que la khalitsa. Pourquoi? Parce qu'on avait principe, on avait vu le principe que Charlie venait bet achiv bet batim. Lévi, lui, de faire le hibou à une femme qui vient d'une maison, soit de Reuven, soit de Shimon. Or, si Shimon il a réussi à la marier à moitié, c'est-à-dire qu'il reste encore à moitié la femme de Reuven. Si, lorsque cette femme maintenant, Shimon va mourir,
C'est-à-dire que maintenant, il a une femme qui est à moitié la femme de Réhouven, à moitié la femme de Shimon. Or, la Torah nous dit, lorsque tu fais le hiboum, tu construis une maison, pas deux maisons en même temps. Et pas plus faire le hiboum. Ok? On a appris ça, cette fois-ci, c'était dans le Perek Gimel, probablement Mishnah Gimel ou Mishnah Dalet. Ensuite, Nasa Isha va mettre à Rizot. La Mishnah m'enseigne que si maintenant, le petit, c'est le cas classique qu'on a déjà évoqué, un enfant de 9 ans et un jour jusqu'à l'âge de 13 ans, s'il va se marier avec une femme et finalement il meurt, j'aimerais bien que sache que cette femme-là n'a même pas besoin de faire ni hiboum, ni khanitsa, ni rien du tout. Parce que même si le rapport de l'enfant a un statut de bia, il n'avait pas qu'à la il n'a pas la capacité d'acheter une femme, d'acquérir. Ce fait, sa femme ne va pas devenir une femme si c'est Ben Yevama. Quand le Nasaïch s'est marié avec une femme, pas c'est Yevama. Ça n'a qu'un rapport avec sa femme. Il s'est marié avec une femme, son kinyan, son acquisition n'a aucune valeur. De ce fait, s'il meurt sans enfant, eh ben, il n'aura pas. Sa femme ne sera pas ce qu'on peut aller. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je suis pleine de Hatzlacha.